Salut YouTube, donc on est sur le let's play de Chasm, je vais appeler ça comme ça, et bah pour l'instant c'est un gros kiff, je vais pas trop parler, on est reparti, parce que bon, une heure ça passe vite, et je voudrais que la vidéo, bah voilà, le premier let's play il fasse environ une heure, donc voilà, si je commence à parler un quart d'heure ça va pas le faire. Donc je vais essayer de récupérer le premier coffre, premier loot. Si je pêche trop, que je suis vraiment trop nul, bon bah j'essaierai de mourir et de recharger la partie pour que ce soit plus rapide de récupérer la vie, de réessayer. Ou peut-être que je peux la recharger moi-même, je sais pas. Parce que si je... Oh la mince. Oh mais en plus il est simple celui-là. Je perds de la vie pour rien. Je crois que juste... Voilà, je peux aller là direct. Voilà, donc là, il y a le coffre. Donc, c'est une question d'agilité. Oh, je le tue en deux coups maintenant. Ou c'est peut-être parce que je l'ai frappé dans le dos. Ok. Massue. Donc j'ai une massue maintenant. La massue, est-ce qu'elle... Ça m'étonnerait qu'elle soit plus forte que l'épée quand même. Wouah! Ah oui, bah non, bah en fait... c'est bon. Je suis bien pour le début du jeu là. Hein. En vrai, je suis bien loti. J'ai hâte de pouvoir sauvegarder parce que j'ai pas trop envie de mourir alors que je... Et de perdre l'item évidemment. Hein. Wow, par contre, oh, qu'est-ce qu'elle est lente. J'avais pas essayé, mais... Ah mais non, mais ça vaut pas le coup. Je vais prendre... Ah, je peux pas. B, c'est un autre type d'arme. C'est-à-dire que X, c'est corps à corps, et B, ça doit être distance. Ah non, je peux pas jouer avec une arme qui fait ça. Hein. Non, mais je vais mourir. Ok. Oh, c'est pas vrai, mais... A chaque fois, la différence de hauteur, elle fait que c'est infaisable. Ok. Faut être patient hein, dans ce jeu, apparemment. C'est pas, c'est vraiment pas comme Dust. Hein. Dans Dust, tu fonces, tu fonces, tu fonces. Là, faut vraiment faire attention. Essayer d'avoir le plus de recul. Mince. J'ai loupé. J'étais pas loin, mais j'ai loupé quand même. Là, clairement, il faut un double jump ou quelque chose pour s'accrocher au mur. Hein. Parce que là, je peux pas l'avoir. Hein. Je saute déjà même pas assez haut. Même si j'étais là, je pourrais pas assez trop loin. Ok. Ça se passe bien pour l'instant. Faut montrer le skill un peu. Bon, hop, j'avance. J'ai pas le temps de mettre le troisième, ok. Faut que je trouve une sauvegarde. Hein. Clairement, faut que je trouve vite une sauvegarde. Je vois qu'il y a un coffre en haut. Là, il y a une porte. J'espère que c'est le... Ah, c'est une page du livre. On lira plus tard. Franchement, dans une grande zone comme ça, je vois mal comment il pourrait pas y avoir de heal. Parchemin d'apprentissage. Ah. Donc là, il y a des nouveaux ennemis. Vu comment il tient la pierre, et à mon avis, il va me jeter la pierre. Wow. Vous vous rendez compte de la chance que j'ai eue? Ça ouvre en haut? Yes! Ça ouvre en haut, ok. Avec de la chance, j'ai trouvé le mécanisme. Par contre...
D'accord. Donc là, à mon avis, il faut une capacité. Et d'accord, ça va ouvrir ici. J'ai vraiment loupé. Non. En vrai, j'ai pas loupé grand-chose. Faut que je fasse hyper gaffe, hein. Parce que là, j'ai 20 PV. Ça peut partir très très vite. C'est ça qui est embêtant. Est-ce que... Ah, attends, parce que j'avais une pomme. Peut-être que je peux... Ah ouais. Le parchemin augmente de façon permanente un attribut aléatoire à hauteur d'un point. Ok, bah il faut que je regarde mes stats. J'ai quoi? J'ai 9, 8, 11, 9. Ok. Plus 1 de chance. D'accord. Ok. Du coup, inventaire, pomme, ça me rend 17 PV. C'est déjà ça en vrai. Un jeton utilisé dans les machines de jeu. D'accord. Un lingot de fer utilisé pour fabriquer de l'équipement. Ok, ouais, ça c'était prévisible. Ok. Ok, nice. La porte est ouverte. Faut que je trouve absolument une sauvegarde. Hein. Parce que là, ça va vite devenir compliqué. En haut. J'ai l'impression que je suis trop loin pour l'avoir. Ok, bon, ça va. Par contre, je peux vraiment pas aller en haut, quoi. Ah. Premier étage. Il y a une sauvegarde. Ah bon, ça va, je vais au hub. C'est bon, j'ai ouvert la deuxième porte. Je vais aller réouvrir. Tiens, là. Voilà. Je vais aller réouvrir le truc. Là, il faut faire péter le. Voilà, comme ça, c'est fait. Je peux retourner au village rapidement. Je vais aller sauvegarder. Parce que j'ai. Là, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Voilà. On est reparti. C'est la deuxième. Comment ça? Attends, je suis où là? Je suis au milieu de la map? Pourquoi je suis passé par là, moi? Ah, d'accord, non. Je suis un petit peu bébête des fois, hein. Ok. Est-ce que ça vaut le coup de descendre maintenant? J'ai pas tout visité, mais en vrai, j'ai pas. Ouais. Parce qu'il peut y avoir du loot intéressant en vrai. Je vais retourner au début. Et en fait, ce que je veux, c'est aller juste là au centre. Au centre de l'écran, je veux aller dans ce truc-là, là, dans cette barre horizontale, dans cette barre verticale, pour justement aller voir les autres zones. Ok, c'est après. Donc là, je dois faire ça. Puis ça fait un peu d'XP au passage. C'est quoi? Topaz? Ça doit être rare, ça. Normalement, c'est censé être une pierre précieuse. Ok. Donc ça c'est fait. Là ce que je voulais c'était descendre. Comment ça attends? Ah d'accord. Ok. Donc là il y a une zone. Yes. Du loot. C'est important. Vraiment. Je ne le dirai jamais assez. Dans les jeux comme ça faut grid. Hein. En vrai. Oh là. Ah non, je peux pas là, c'est un passage unique. À mon avis, c'est quand on revient d'en bas, de plus bas. Donc c'est bon, j'ai visité, maintenant je vais retourner au hub. Oh, une pomme, yes. Vu qu'il me donne des pommes, en vrai, je pourrais les farmer, hein. Après, le problème, c'est qu'il donne vraiment plus rien en expérience, quoi.
Donc là, j'ai quand même une pomme pour me rassurer. Faut que je joue bien. On arrive au deuxième étage déjà. Ça a été assez rapide en vrai. Je sais pas combien il peut y en avoir d'étages. Ah. Ça m'a l'air d'être chaud, hein. En plus, faut une glissade vers le bas là. J'ai l'impression, pour passer. Non. Il fait pareil que moi, hein. D'accord. Avec lui, faut que j'utilise Y. Faut que je fasse l'esquive. C'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. Oh, mais pourquoi je me suis retourné? Nice. Une armure. Une armure! Yes. Oh. Ça va être chaud. Ah, j'ai pas eu le temps de sauter. Prends ça, salaud. Ouais, ça va être chaud, hein. En vrai. Inventaire, pomme. J'ai pas confiance en moi-même. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je le savais. Il me faut un soin, là. Aïe, 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 aïe. Où est-ce que je m'en vais, là? Il me faudrait une sauvegarde pas loin. J'espère que je m'en éloigne pas. Une carotte. Mince. Si je me prends un coup, je suis mort. Ok. Je sais pas du tout où je vais en fait. C'est terrible. La carotte, faut que je la mange. Ça me fait 30 PV, bon. Oh! Par la grâce des gardiens. Je m'appelle Wynn, je travaille dans ces mines à la recherche de minerais et de minéraux. Quelle joie que l'armée soit enfin là pour ramener la situation à la normale. Attendez, il n'y a que vous? Eh bien, vous avez du courage, ça ne fait pas de doute. Je vais retourner à la taverne. J'ai besoin de me changer les idées avec quelques jeux. D'accord. Donc là, il faut que j'arrive à refaire tout le chemin inverse. Ok. Aïe. Super. J'ai voulu. J'ai mal géré la chauve-souris. Je l'ai pas vue. Je l'ai vue au dernier moment. Du coup, j'ai paniqué. J'ai fait n'importe quoi. Là, si je me prends un coup, je suis mort. Hein. Ok. Ok. Donc là, je sais qu'il y a un truc en haut, mais je sais pas quoi. J'espère que c'est un. C'est pas une sauvegarde. Ce n'est absolument pas une sauvegarde. Je sais pas du tout où je vais, hein. Il y a une sauvegarde juste de l'autre côté de ce truc. Oh, c'est pour descendre. Il y a un. Yes. Yes. C'est bon. Alléluia. Donc là, c'est la taverne, hein.
Je vais aller le voir pour voir ce qu'il me propose. Ok, il est bien là. Peut-être qu'il peut me proposer de construire des armes moyennant des matériaux. Oh, bonjour. J'espérais bien vous revoir. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est jouer aux cartes. Mais il se trouve que j'ai perdu mon jeu de cartes. Le jour où nous avons ouvert le passage, j'ai laissé mon jeu dans ma gamelle sur le chantier. Quand vous m'avez sauvé, j'y suis repassé en rejoignant la ville, mais il n'y était plus là. Si vous trouvez mon jeu de cartes, ramenez-le-moi ici et nous pourrons faire une partie. D'accord. Ah non, mais c'est moi qui dois arrêter. Oh, j'ai eu 2-7. Tant pis. Du coup, bah faut que j'aille. Faut que je retourne dans le. Hop. Alors, je vais à droite. Et c'était en bas à gauche. Pour l'instant, je suis à la troisième phase du jeu. J'ai bien envie quand même de checker un peu l'étage, histoire de voir s'il n'y a pas du loot. Parce que faut quand même gagner du stuff, hein, sinon je vais me faire éclater. Et gagner de l'XP, évidemment. Oh. C'est quoi cet hôtel? Vous sentez que la chance est avec vous. D'accord. Donc il y a un timer et là j'ai beaucoup de chance. Ah, oh, c'est pas vrai. Ok. Oh yes. Capuche en cuir. Bah voilà. C'est bien ce que je disais. Quoi? C'est moins fort? Mais non. Comment c'est possible que ce soit moins fort? Bon. Moi je le revendrai, hein, si je peux. Il y a du loot aussi avec les lampes. Ah ouais. On peut gagner de la thune, hein. Ok. Bah là, mis à part, mince, mis à part retourner dans la zone pour remonter, en fait remonter à droite, puis reprendre l'ascenseur pour descendre et aller à droite, en fait, faut que je visite les zones pour récupérer le loot. C'est ça le truc, c'est que j'ai pas envie d'aller trop vite si c'est pour mourir bêtement parce que je suis pas assez fort, j'ai pas assez d'équipement et tout. Voilà, donc là je suis au bon endroit. Ah oui, c'est vrai, je peux pas y aller. Bon, bah je reviendrai quand j'aurai le pouvoir nécessaire. J'avais complètement zappé que il fallait la glissade. En plus, les gâchettes, elles servent à rien, je comprends pas. Il y a vraiment pas grand-chose. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de compétences. J'espère que je vais en gagner assez rapidement parce que là je trouve des personnes, mais au final il y a juste. Oula. Oh non! Mais non. Il y avait un coffre légendaire là. Il fallait le savoir hein, pour se coller. Oh là là. Faut que j'arrive à retourner au hub pour avoir une chance de l'avoir quoi. Là, à mon avis, on peut grimper au mur. Non. Ok. Ah, d'accord. Il y a un truc à activer. Un levier.
D'accord, c'est encore un dino différent. Mince. Ouah. Ok. Ok. Je sais pas, peut-être à gauche le levier. Non, bah, je l'ai bien vu, il est à gauche, mais je vois pas comment je pourrais l'atteindre. Ah, fallait que je... D'accord. Faut pas que je me loupe. Allez, mais genre, je saute pas assez haut, j'arriverai pas à l'atteindre. Ok, il fallait passer là. Donc j'ai la suite qui est ouverte, mais je crois que je vais regarder la map vite fait. Ouais, j'ai un truc à voir là-haut. Je veux pas prendre de dégâts inutilement. On sait jamais. Voilà. Il y a un loot, mais je peux pas l'avoir. C'est pas grave. Ça va, il m'a pas l'air si compliqué que ça. En vrai, faut juste que je... Faut juste que je trouve l'habitude en fait. Faut que j'arrive à avoir l'habitude d'appuyer sur Y et de la bonne manière. Et après, en vrai, tout va en découler. Hein. Si je maîtrise le gameplay. Ouais, mais là, y a le poison là. Je peux rien faire. Je peux rien faire, je suis obligé. Ah ouais, évidemment. Ok, ça va. J'ai repris ma vie. J'ai level up. En vrai, cette fois, je vais monter. D'accord, un slime de glace. Et là. Mais il y a combien de points de sauvegarde dans ce jeu? C'est insane là quand même. J'en ai croisé un depuis le début. D'habitude, il y en a quand même plus que ça dans les jeux de ce style Metroidvania là. Alors qu'est-ce qu'il va me faire lui? Oh 14. Ok. Bon, c'est pas de l'argent que je voulais moi, mais bon. Ok, nice. Un anneau, yes. Intelligence 13. Je sais pas à quoi sert l'intelligence. Hein. Je m'en suis pas trop mal sorti. Au final, j'ai perdu 14 HP. Je vais aller de l'autre côté. 11, toujours 11. Pourquoi le loot il a sauté dans le vide comme ça là? Ok, là il y a encore un loot, mais j'ai pas la capacité. Ah oui, d'accord. C'est genre si tu tombes dans le ravin, t'as de quoi te rattraper quoi. Et la chauve-souris en haut hein, pour bien saouler aussi. C'est terrible.
J'ai pas le choix, quoi. Je suis obligé de me prendre un dégât, quoi. Tout ça parce que... Mais j'ai... Oh. Sérieux. Ok. Faut que je casse les lampes, hein. Faut que je trouve de la nourriture, sinon je suis dans le... Je suis dans le mal. Ok. Ah mais c'est compliqué, il n'y a pas de heal. Il n'y a pas de sauvegarde. Comment je fais moi? Je peux même pas retourner en arrière. Je suis... C'est marche ou crève. Ah bah voilà, super. Plus que 6 PV. À mon avis, je suis bon pour recommencer là. Je fais comment dans cette situation là? Je vois pas du tout. Parce que là, si je tombe, je suis mort. Je peux pas faire un dash retour. Après, il recule. Est-ce que j'aurai un timing pour sauter au-dessus de lui? Mais ce serait abusé. Chaud plus haut que lui. Ouais. Ah. Ça le fait reculer, n'empêche, hein, quand j'arrive. Ouais, je pouvais rien faire. Là, il m'a saucé direct. J'avais rien à faire. Mais ce qui est abusé, c'est que je ne trouve pas de sauvegarde. Pourquoi il n'y a pas de point de sauvegarde régulièrement? Je veux bien que c'est un Metroidvania, mais quand même, c'est abusé. Je suis obligé de faire tout à chaque fois une zone entière sans. C'est abusé, je trouve. Une zone totale en entier sans mourir. Sans item de soins ou presque. Bon bah du coup je vais récupérer le coffre. Hein. Champignons, émeraude, ouais. Du coup moi je vais voir à gauche moi. Ah bah voilà, je m'en doutais en plus. C'est pour ça. Toujours regarder les deux côtés. Après, j'ai fait quand même pas mal d'erreurs qui ont fait que j'ai perdu de la vie. J'ai rencontré le slime. C'était la première fois que je rencontrais le slime. Comment je m'en sors quand c'est une situation comme ça? Ok. Le problème, c'est que je suis obligé de tomber, quoi. Toi, t'as rien à dire. Non, mais j'avais pas de vitesse. Et voilà, le saut pixel perfect qui marche pas. Terrible. Je réussis du premier coup tout à l'heure et là, impossible. En fait, le problème, c'est que le personnage, quand il tombe, il s'arrête bri mince, il s'arrête brièvement. Du coup, en fait, on perd la vitesse de déplacement. Et la vitesse de déplacement, il faut qu'elle soit au maximum si on veut pouvoir atteindre. Genre là, j'étais au max. Là, je suis au max. Là, je suis au max. Il y a un truc de moins d'une seconde, genre je dirais 0,5 secondes ou dans le truc où il prend de la vitesse en fait.
Et tu peux rien faire. Tu peux. Enfin, t'as pas assez de vitesse si. Si tu sautes instantanément. C'est chaud, quoi. Bon. Voilà. Non, mais je peux pas. J'ai appuyé sur Y. Non, mais viens là, là. Voilà, donne-moi ton topaz. J'en aurai besoin plus tard. Ok. Alors moi, j'étais allé voir en haut, je crois qu'il y avait un loot. Mince, mais c'est pas possible, j'ai pas. Ok. On n'entend pas. Ok. Donc là. Mais genre, il a sauté jusqu'à moi. Voilà, le petit level up. Récupère l'anneau en argent comme tout à l'heure. On va équiper. Est-ce que j'ai de quoi manger? J'ai un champignon. 27 PV. Il me rend la moitié de ma vie. C'est plutôt pas mal ça. C'est-à-dire que je suis. Mince, je pars bien là. Ah, ça donne de l'XP. Non! Putain, mais c'est hyper dangereux. Ok. Est-ce que je reviens et je descends pour voir? Je vais voir. Ok. Ok. Il y en a un deuxième. Oh, mais non, mais non! Je fais n'importe quoi. J'ai paniqué. C'est terrible, hein. Ce dash arrière, il est terrible. Hein. Je comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi, mais c'est. Parce qu'en fait, si t'es en contact, si le sprite du personnage est en contact avec un ennemi, même s'il t'attaque pas, tu prends des dégâts. Donc, je comprends pourquoi, mais c'est abusé un peu. Là, je fais comment, là? Je peux peut-être faire ça. J'ai voulu grider et au final j'ai pris un coup. Ah bah, c'est pas mal ça. Recette de tonique. Ça doit être un truc qu'on amène à un alchimiste ou un truc dans le genre. Ok. Faut être patient. Hop. Limon de glace. Aïe. Des dégâts, vraiment, ça me saoule. Je prends du plaisir à jouer, hein, mais ça saoule quand même. Je joue mal, je m'énerve moi-même. Je suis obligé de manger le champi, là. Ça peut partir en vrille à tout moment, quoi. Donc là, faut que j'aille en haut. Du coup, en vrai, je vais peut-être revenir. Je vais revenir. Mince.
pas grave. De toute façon, je vais me heal. Hein. Là, je vais à la sauvegarde. Donc, c'est pas non plus le plus dans... C'est pas le plus dangereux. C'est pas le plus embêtant. Mais pourquoi il n'a pas voulu? Ah ouais, il y a un délai entre l'attaque et le dash. Ok. Bon. C'est pas vrai. Je vais pas me faire tuer par ça. Voilà. Comme ça, j'ai ma progression. On vaut mieux deux fois qu'une. J'ai pas fait exprès, mais c'est pas grave. Du coup, là, je suis bien en vrai. Il y a juste la chauve-souris, là. Hop, voilà. Là, je peux continuer l'aventure. Tranquillement. Par contre, ça serait bien de trouver une nouvelle arme. Mince, non. Ah, il m'a pas laissé le temps. Limite, ça vaut même pas le coup, quoi. J'ai déjà plus que 50 PV et pas d'item pour me régénérer. Hein. Le niveau, il est loin aussi. Oh là, oh là, oh là. Que je fasse pas de bêtises. Le niveau, il est très très loin là. Enfin, je crois. Ok. Donc là, c'est bon, on peut continuer. Donc là, ça, c'est bon, je l'ai déjà fait, je sais comment on fait. Ah bon, en bas, je sais... Mince, oh non, c'est pas vrai. Ok, j'ai géré comme un dieu, là. Je suis assez fier de moi, j'ai pas perdu un PV face au slime de glace. Là où d'habitude, je prends des dégâts easy. Allez, viens, là. Ah, oh. Je voulais me déplacer. Mais ah non, mais... Non, mais je suis le pire. Je suis vraiment le pire. Je mérite de mourir, hein, franchement. Vu ce que je fais avec le dash, terrible. Hein. Ben voilà, j'ai un PV. Bon. Tant pis. J'ai déjà tous les loots. Il n'y a plus qu'à avancer. Tant pis. Je me déçois tellement que ben, je me suis juste jeté dedans, quoi. J'ai pas envie de continuer avec, je sais pas, même pas la moitié de ma vie. S'il y a un boss qui tombe, je suis mort, en fait. Ou pas. Que ça marche ou pas, 30 PV, je me prends un coup, je suis mort, hein, s'il y a un boss. Eux, ils me mettent 14 dégâts, je pense un boss, ça te fait facile 20 points de dégâts, allez, si je suis gentil. Ah bah voilà, bah. Là c'est bien là, là j'ai de la chance. Et là j'ai pas de chance. Bon j'ai une carotte, donc je peux prendre des dégâts. Par contre, il va falloir que je refasse ce que j'ai fait avec le slime. Et là par contre ça va être chaud. Hein. Parce que vraiment, j'ai géré au poil de cul près. J'ai à peine la moitié de mon niveau. C'est terrible. Et voilà. Et j'ai pas réussi. Et en plus, je vais me faire éclater. C'est terrible. Ok, bon, je vais... Vas-y, viens par là. Voilà. Allez, je m'en fous, j'avance. Je me prends pas la tête sur des trucs de nous.
Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi t'as avancé, toi? Bon, ça va. Ça rassure un peu. J'ai deux carottes. J'en prends une maintenant. Faut pas se louper, hein. Donc je suis là où j'étais tout à l'heure. Donc faut que je saute. Je lui mets un coup. Ok, bon, laisse tomber. Ça me dégoûte quoi. Le temps que je saute, il est déjà en train d'essayer de me mettre le coup. J'arrive, je me prends le coup inesquivable au moment où j'atterris. Je vais réussir, hein. Je vais le faire, hein, le perfect. Genre vraiment, hein, à try en permanence. En permanence cette zone, hein, je vais finir par y arriver. Hein. Oh, mais c'est pas vrai. Je commence déjà, quoi. Je peux rien faire. Il y a pas moyen d'esquiver. Il y a pas moyen. Pourquoi avoir mis autant de temps entre le coup et le dash? Ça, j'ai du mal. Le dash, tu le fais quand tu veux. C'est terrible de faire ça. Et voilà. Le bad timing. Et cette fois, j'ai pas de carottes, hein. Donc, je peux faire ce que je veux. Là, c'est fini, là, hein. Je suis déjà mort, en fait, hein. Et c'est plus un jeu de plateforme. Mais c'est abusé! Attends, je vais essayer. Je vais essayer de jouer. Voilà. Ok. Si je me loupe et que je meurs, je fais une petite légère pause pour reprendre mes esprits. Ok. Viens par là, toi. J'essaie même pas de me les faire, hein. C'est mort. Lui, faut pas lui laisser le temps d'aller au bord. Ok. Le but, lui. Quoique, parce que je peux sauter au-dessus de lui, hein. Je l'ai déjà fait, donc. Autant le refaire. Mais non. Ah bah tiens. Le passage que les mineurs ont ouvert se trouve devant nous. Avant de partir, je pense qu'un petit cours d'histoire s'impose. Les Ladori croyaient que les esprits des animaux influençaient tous les aspects de leur vie. Cependant, à un certain moment, ils commencèrent à vénérer un demi-dieu étrange du nom de Xuta Ulak. Ils pensaient que Ulak contrôlait une armée de sbires monstrueux qui nous plongerait dans l'ère des ténèbres. Voici le symbole que les Ladori utilisaient pour représenter Ulak. C'est également la dernière preuve que j'ai trouvée de la tribu avant qu'elle ne disparaisse sans laisser de traces. Qu'a-t-il bien pu leur arriver? Cet Ulak serait-il lié aux monstres et aux disparitions? Les réponses que nous cherchons doivent se trouver à l'autre bout de ce passage. Je vais attendre ici que vous dégagiez le chemin. D'accord. Et il y a un A. Ah. Bah, il y a un boss, comme je le disais. Mais non, mais là, il va me sauter dessus. Hein. Ok. Il y a une sauvegarde là. Yes. C'est-à-dire que nombre de fois où j'aurais pu me sauver la vie. Bon, après, j'ai fait toute la zone. Hein. Là, j'ai clairement fait toute la zone. Ah, quoique. En haut, là, je suis pas monté. Et je suis pas allé à droite aussi, ici. Mais, ah non, ici, c'est il faut la glissade. Là, par contre, je suis. Ok. Faudra que j'y retourne. Loup-garou.
Wow. Quoi? Mais tu veux que je fasse ça comment, moi? D'accord. Je vais faire ce que je vous ai dit. Avant le boss, je vais me relaxer un peu. Parce que là, boire un coup, vapoter vite fait. J'ai pas vapoté depuis au moins une demi-heure. J'en ai pour 2 minutes, hein, juste histoire de me relaxer vite fait. Ok, ça c'est oui, d'accord. Ça, je peux pas l'esquiver, hein. Je peux pas l'esquiver. Quoique, je peux sauter au-dessus de lui. Ouais, si, je peux sauter au-dessus de lui. Oh non, mais j'ai sauté sur lui. Mais non! Bon, ça y est, j'ai. Normalement, c'est bon, j'ai. J'ai. J'ai essayé de sauter, c'était trop tard. Mince, j'ai oublié de sauter. Mais oh, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Mais le pire, c'est que je m'énerve parce que je fais la même erreur et que derrière, du coup, je suis plus concentré pour taper l'esquive. Ça me déconcentre de faire des erreurs, c'est dingue. Au lieu de continuer à jouer, je me vénère sur moi-même. C'est ouf. Pourtant, je l'ai le pattern. J'esquive, c'est bon, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut, hein. Oh, vas-y, mais... Non. Oh. Je perds trop de vie. Ok. Donc là, il est... Wow, mais... Ok. Un troisième. Ok. Je peux le frapper. Mince. Je peux plus prendre de coups, hein. Je prends un coup, je suis mort. Bah ouais, voilà. Je fais tellement d'erreurs, c'est insane. C'est insane les erreurs, quoi. Et c'est des bêtises en plus. Je veux finir le boss pour la VOD, ça serait cool. Mince.
Voilà, je m'en reprends un coup. Faut pas se mettre en dessous, hein. Oh mais... Mais non. J'avais si bien réussi jusqu'à maintenant. Mais non, mais... Le temps de voir les yeux, c'est ça le problème de l'esquive de ce jeu, en fait, c'est que tu dois penser à l'envers. Je dois penser à l'envers. Au lieu de me dire, je me dirige vers la droite, je dash vers la droite, je dois me dire, je dois viser vers la gauche pour dash vers la droite. C'est infect. Je déteste cette mécanique. Que tu fasses ça, voilà, c'est ça, c'est que... Tu fais l'attaque et tu Y. Tu fais attaque, Y. Alors que moi, je fais attaque, droite, Y. Donc je pars vers l'ennemi. Et je me prends des coups, bêtement. Ça me rend dingue. C'est ouf. Ça m'énerve. Ok. Deuxième. Je commence à comprendre. Ok. Les cailloux. Les cailloux. Les cailloux. Ensuite, les cailloux. Encore? Mais ça, c'est aléatoire par contre. Hein. Wow. Oh, j'ai failli pas sauter. Hein. C'est aléatoire aussi, ça. Les cailloux. Les cailloux. Il saute. Les cailloux. Il le fait combien de fois? C'est aléatoire. Allez, tue-le, tue-le. Oh, c'est moi qui vais mourir. Yes. J'ai level up, du coup j'ai récupéré ma vie. C'est pas passé à grand chose. Hein. PV max 3. Quel travail incroyable! Je n'avais jamais vu quelqu'un capable de se battre comme ça. Avec vos bras et mon cerveau, nous parviendrons peut-être à élucider cette affaire. Maintenant, dépêchons-nous, le temps nous est compté. Vite fait, je vais sauvegarder et puis hop. On va voir la suite. Il est quelle heure? Ah, je peux jouer encore 10 minutes à peu près. Je pense. Quoique ça vaut peut-être pas le coup pour la VOD. Hop. Bon, je vais faire la coupure ici. Voilà, donc YouTube, j'espère que ça vous a fait plaisir. Le fait que je m'énerve un peu contre moi-même, je vais vraiment travailler dessus. Ça, y a pas de souci. Bon, Le boss était quand même assez difficile en vrai. Hein. C'est des petits trucs comme ça, mais avec une rapidité d'action qu'il faut avoir, des réflexes de rapidité. C'est pas si facile que ça. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.